Bah, il y a une saleté de raton laveur en plein milieu de la route. Oh, merde. Et il vaut mieux nous tuer que salir la voiture en écrasant une bestiole. Oui, bah, on est toujours en vie. À en croire le sale regard que tu viens de me lancer. Pas l'autoroute. Il y a eu un accident, c'était embouteillé, alors j'ai pris un raccourci. Qui va où? Tu entends ça? Quoi? Chut. Je trouve que le moteur fait un drôle de bruit. Mais il est un peu tard pour tomber en panne. T'aurais dû penser à t'arrêter plus tôt. Ah ouais, ben, je me suis bourré d'excitant. Je pensais tout pouvoir faire d'une traite. Où est-ce qu'on est? Hey, dis-moi, tu devais faire de sacrés rêves tout à l'heure. Tu me marmonnais, tu gigotais dans tous les sens. Je savais que t'essayais de me tuer. On était à l'anniversaire de mariage de mes parents et ma mère ne s'arrêtait pas de parler. Tu t'es mis à hurler que tu n'en pouvais plus et tu as essayé de m'étrangler. Hey, en tout cas, c'est de moi que tu rêvais. C'est déjà un progrès. Putain, merde. Ça va? Pas te dire à quel point c'est idiot de faire ça. Tu pourrais pas mordre dans la pomme comme tout le monde. Ça me fait mal aux dents. Mais aussi de mal que de te couper les doigts. C'est rien du tout. Tu veux que je prenne le relais? Non, pas la peine. Pourquoi t'essaies pas de te rendormir? Je me souviens que Charlie dansait tout seul, même quand il n'y avait pas de musique. J'ai toujours... Je suis fatiguée, David. Je crois qu'on est quelque part par ici, là. Ça pour que ça se passe le plus mal possible. Voir à quel point tu pourrais m'emmerder avec ça. J'ai juste pensé que ce serait plus rapide, c'est tout. Oh, merde. Il n'y a pas quelque chose là-bas? Fermé. Depuis 1957. C'est dommage, parce que leur essence est à un super prix. Écoute, si t'es trop fatigué, je vais conduire. Oh, je te l'ai déjà dit, ça va. Alors, tu vois cette ville, là? Et Elida, tu dormais, mais on l'a traversée il y a à peu près 3 heures. Alors, on doit être quelque part par là. Oui, mais là, il y a une ville, là, Donnie. Et au moins, là, il y aura une vraie station-service. Oui, si c'est vraiment là qu'on est. Non, je crois qu'on va vers le sud. Alors forcément, tôt ou tard, on va finir par arriver... Derrière. Pardon. C'est pas grave. Oui, vous arrivez juste avant que je parte. Non, désolé. Ouais, il faut que je vous dise quand même, le prix de l'essence est un peu plus élevé que c'est indiqué. Oh. En fait, on a eu un petit problème de moteur. Ouais, il a évité un écureuil il y a quelques kilomètres. C'était un raton laveur, oui. Et on est perdu. Enfin, elle est perdue. Moi, je sais exactement où on est. On va vers Donnie. Il
Il essaie de te dire que c'est de l'autre côté, David. Ouais, désolé, mon pote. C'est rien. C'est très facile de se perdre par ici si on n'a pas de carte. Oh. Tony, c'est à 50 km par là, mec. Vraiment? Écoutez, je vais vous dire, ouvrez le capot, je vais jeter un œil au moteur pour être sûr que vous arriverez. C'est vrai? Merci, merci. C'est très gentil. Merci infiniment.